Et bienvenue sur la chaîne de The Nougatine pour un nouveau rendez-vous sur Pokémon Ultra Soleil en Randomeg Nuzlocke. La dernière fois, effectivement, l'épisode était un petit peu long, vu légèrement, hein, ça va, 50 minutes. Franchement, ça va, c'est un film. Je suis sûr que la plupart d'entre vous l'avez regardé sur votre télé avec des pop-corn et tout. Enfin, j'en sais rien, mais en vrai. Voilà. Donc, rappelons la règle de cette vidéo. Pas de centre Pokémon, voilà, je les soigne, mais voilà ce que voilà, c'est une équipe que j'ai montée. C'est pas l'équipe que j'ai actuellement. Là, j'ai le droit de les soigner. Là, par contre, j'ai plus le droit, pas maintenant. Donc, j'ai monté You, j'ai aussi monté The Faucheur, j'ai monté Olivia Cassé, Jouissance, Trapette, qui a gagné quelques niveaux, et Prévu qui est niveau 32. Bon, Prévu, on s'en fout un petit peu, mais voilà, quoi, il est présent. Donc j'ai choisi un remplaçant pour Nymphali. Pour Choice, c'est You. You qui rejoint la team. Ah, je me suis dit pourquoi pas un type psy, franchement. Et puis bon, voilà. Je vais lui mettre l'évolu rock. Comme ça, bah il va pouvoir venir sur beaucoup de combats, c'est cool. Il manque un Pokémon. Il manque je sais plus qui. Ouais, je vais le trouver. Attendez, il manque qui déjà? Oula, il manque quelqu'un. Attends, j'ai une équipe de 5 Pokémon là? Ah ouais, j'ai Trapette aussi, c'est vrai. Je l'ai enlevé. Attends, il est où Trapette? Voilà, Trapette, on n'a rien vu. Ok, donc là, plus de 100 Pokémon jusqu'à la fin de l'épisode. Ok, donc voilà. Je sais pas s'il y aura beaucoup de zones dans cet épisode, je vous le dis. Bon, le problème de... Bon, de toute façon, tous les Pokémon de ce Let's Play, ils ont tous une nature pourrie, hein. Prudent, c'est une nature qui baisse attaque spé, et sachant qu'il se joue attaque spé, Kadabra, c'est un peu chiant. Il y a l'autre qui est bon, Jovial encore... Ah non, Jovial, c'est nul. Parce que ça baisse attaque spé aussi. Et lui, bah, il est modeste. Ouais, c'est vrai, on a vraiment des natures pas si folles que ça, mais bon. En aventure, ça influence pas trop. Ok, je vais regarder si je peux pas mettre d'autres attaques à Kadabra parce que il est pas super fou non plus. Puissance cachée, ouais. Bon. Je vais lui mettre puissance cachée, ça peut servir. Bah après, je sais pas sa puissance cachée à lui. Hein. Ok. Puissance cachée, en vrai, on dirait pas, mais c'est une super attaque pour l'aventure si vous n'avez pas de coverage de type, ça peut servir. Ok. On va avancer. Je sais plus où est-ce qu'on devait aller. Je crois qu'on doit aller je sais, ouais à la grande ville là, au club là, qui est près de la plage. Ok. On va prendre Dracaufeu. Alors, Dracaufeu, guide-nous. Ouais, faut aller là. Ok. En fait, j'ai monté surtout des Pokémon qui pourraient nous servir plus tard. Genre, The Faucheur, il y a des grandes chances pour que je l'utilise au cas où, voilà. En fait, j'ai vraiment monté, voilà, des goats. Les goats des éclosions, hein, qu'on est, genre, les gros Pokémon qu'on a eu. Les bons. Ok. Bon, l'épisode là, je sais pas combien de temps il va durer, vous inquiétez pas, il sera pas aussi long que celui d'avant. J'ai vu que ça vous a, ça, j'ai vu que ça, c'était un petit peu chiant. Et je vous l'accorde, parce que même pour moi, niveau montage, voilà quoi. Le problème c'est que si j'avais arrêté l'épisode avant l'épreuve, bah on aurait commencé cet épisode-là avec une épreuve et je trouve que ça le fait pas. Ok, bon, on lit pas les dialogues, je pense que là c'est pas des dialogues importants. Là je sais qu'on va aller au paradis Aether. Ouais, enfin ouais voilà. Ok. Ouais, donc c'est pour ça que je dis il y aura peut-être pas beaucoup de zones. Parce que on risque d'aller ouais, chez Aether. Mais je crois qu'on reste pas longtemps là-bas. Au paradis Aether. Et quand je dis Aether, je parle pas du jumeau de Lumine hein, dans Genshin Impact. Hein. Non, là c'est Aether, mais en plus c'est le A dans le E. Ou le E dans le A, comme vous voulez. C'est vrai que c'est plutôt le E dans le A d'ailleurs. Ok, bon, enfin, ici c'est pas une zone, hein, y a pas d'herbe, je crois.
Donc, j'ai vu aussi, il y a des, genre, j'ai reçu des messages comme quoi ça serait bien de remettre la règle réanimée. Mais je pense que ça serait beaucoup trop simple, étant donné qu'on n'a que 5 morts, alors qu'on est quand même assez loin dans le jeu. Puis même les règles qu'on a là, c'est bien. Puis même si les Pokémon meurent, bah justement, je trouve que c'est plus épique de les voir mourir. Enfin, c'est bizarre de dire ça, mais bon. C'est plus épique parce que voilà, quoi, genre, c'est quand ils meurent qu'on se rend compte qu'on s'est bien attaché à eux. Et si on les réanime, bah voilà quoi. Façon, plus en général, plus un Pokémon dure longtemps, plus on a du mal à le voir mourir. Genre Choice, c'est vrai que ça m'a. Choice ça va parce qu'on l'a pas eu longtemps, mais genre Diglett, ça m'avait. Ça m'a saoulé quoi. Que je l'aimais bien. Ah, Diglett, c'est vraiment celui qui m'a le plus énervé. Avec Maurice. Maurice aussi, c'était chiant. En plus, c'est un truc que j'ai prédit, quoi. Ça veut dire que c'est un truc que j'aurais pu éviter. Mais bon, je voulais qu'il finisse le combat. Ok. Enchanté, je m'appelle Teuse. Ok. Oh, je sais pas combien de temps l'épisode va durer. En fait, j'aimerais bien au moins qu'il dure jusqu'à la première zone de la prochaine île. Parce que moi, j'aimerais bien avoir au moins une éclosion, quoi. C'est quand même le but du jeu. Ah, donc là, c'est là où on va combattre Zeroïd. Ok, joli Floriara, quoi, chantier. Ok. Par contre, les dialogues, c'est un petit peu long là. Ok. Ouais, il parle des coraillons parce que c'est vrai que les voix Astérix et les coraillons s'entendent pas trop à Alola. Par contre, les dialogues sont vraiment, vraiment super longs. C'est bon? Quand même, bah, je vais regarder. Ouais, ok. Je peux lui mettre la rocasilite en vrai à lui, hein. Ça peut servir. Voilà, nickel. On va y aller comme ça. Je pense que je vais laisser Kadabra devant. Genre, ouais, Yu, je vais le laisser devant parce que bah, Zeruy, on rappelle qu'il est de type poison. Et donc, il prend cher sur les attaques psy. Et puis, bon, de toute façon, même Kadabra, il a l'évolu rock. Donc, je pense qu'il pourra tanker une ou deux attaques, quoi. Pour l'instant, je le mets en Kadabra, mais après, si vous voulez que je fasse évoluer en Alakazam, dites-le moi. Hein, après, c'est mon let's play, mais bon, c'est aussi grâce à vous qui peut vivre. Ouais. D'ailleurs, n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus, à vous abonner aussi. Hein, je passe le message. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur ma chaîne secondaire. C'est tout en description. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram, pareil en description. Si jamais vous avez des idées de vidéos aussi, bon, j'ai encore beaucoup d'idées, donc si jamais vous avez des idées, je les prendrai peut-être pas maintenant, quoi. Même sur Blaster, j'ai encore des trucs à faire. Voilà. C'est pour tous ces pauvres petits Pokémon maltraités que j'ai décidé d'agir en les versant. Nanana, ok. Ok. C'est vrai qu'elle fait pas 40 ans, par contre. Hein. Elzamina, elle ferait plutôt 30, pas 40. Je trouve. Bah après, bon, c'est pas pareil. Là, c'est des pixels, c'est pas la vraie vie.
Ok. Viens te battre. Je vais te défoncer la tronche. On peut pas le capturer, hein, je crois, hein, de toute façon. Ok, c'est Birdies. On va le défoncer. Vous allez voir à quel point il est fort, Galabra. Même s'il a une baisse d'attaque spé, il tapera quand même fort. Le point d'interrogation. Au moins que sa défense. Oh, c'est mignon. Sauf que moi, je veux pas du tout de défense. Allez, Rafale Psy. Choc Venin. Normalement, il devrait tanker. Ah ouais, quand même, ça fait mal. Là, il fait pas grand-chose. On va envoyer sur mon fichier. Choc venin. Nickel. Ah, Boubon, ça devrait faire quand même pas mal de dégâts. Hein. C'est x4. Après, s'il a que Choc Venin pour me toucher, ça me va. Ok, je pense qu'on a juste à en refaire une et c'est bon. Bon, bah, Kadabra est pas si fort en fait. Allez, sur mon fichier, le goat. On rappelle qu'il y a un délivre autour d'un bidonville. Hein. Sur mon fichier, c'est le pêcheur. Il est au niveau 23. Il va prendre œil miracle. Non, mais tu me prends pour qui? Trapette niveau 26. Ah, il a toujours pas évolué d'ailleurs, lui. Je sais pas à quel niveau il évolue. Voilà, là, en vrai, non, je pense qu'on aura le temps quand même de faire la zone. À mes, genre, à la première ville là, de la prochaine île, il y a trois zones. Il y a la zone du parc, il y a la zone qui est en haut, et il y a une zone à gauche aussi. Donc, il y aura quand même, il y a quelques petites zones sympas à faire. C'est bon, on peut se barrer. Ok, voilà, c'est bien. Ok. Ah bah Psycho, c'est parfait. Pour Kadabra, c'est bien. Tu vois, s'il aurait pu la prendre, je crois. S'il était pas mort. Ah, je me remets toujours pas de la mort de Choice, hein, vraiment. Il méritait pas de mourir, ce petit.
Il faut des miettes partout. Ok. Ok. Que va-t-il se passer sur cette île? Ah, sur l'île d'Alcala, rappelez-vous, quand on y a été pour la première fois, je l'avais dit qu'il allait y avoir des morts. Sur l'île d'Alcala, on a eu 4 morts. Il y a eu Dilout, Maurice. Il y a eu Dilout, Maurice, Choice. Et je sais plus qui d'autre. Non, je crois qu'on en avait trois. Bah, je sais plus. Ah, voilà. Capture plein de Pokémon. Bah, merci. Voilà. On va pouvoir faire des zones, mes loulous. Je pense qu'on fait les trois zones. Ah, il y a même une zone en bas aussi. Mais je suis pas sûr qu'on puisse la faire. Ah non, ah ouais, non, non, ouais, non, non, lui il est pas mort, lui. Lui c'est juste un clandestin. Parce que, en fait, on a deux funestiers et lui, non, il compte pas. Ouais, donc, du coup, je voulais apprendre psycho à lui, ça va être beaucoup plus facile. Téléport, en vrai, je pense que je vais le laisser parce que je crois que en 7ème génération, c'est pas mal, je crois, téléport. Ouais, non, en fait, non, je vais l'enlever. Voilà. Psycho, ça peut servir, vraiment. Enfin, c'est l'un des meilleurs stabs psy que je peux lui mettre. Voire le meilleur. Ok. On va voir si on peut faire les zones qui sont autour. Après, on ira au parc. À moins qu'il nous oblige vraiment à... Ah non! En plus, je peux pas les soigner au centre Pokémon, hein, vu que c'est la règle. Ok, c'est vrai qu'on affronte d'abord Tilly. Oh, Tarlette. Allez, You, tu peux le faire. Ouais, je m'appelle You. Enchanté. Ah bah, de toute façon, ils ont été soignés. Ok. Bulldo. Oh, ça fait combien? Wesh! Et d'où il fait aussi mal? Attends, c'est vrai que c'est. Attends, il a combien de défense P lui? Résumé. 42. Bah ouais, mais plus évoluant quand même. Bah ouais, mais y a pas vraiment de monde qui peut venir sur lui. Y a que ce mon fichier qui peut le faire. Ça il fait mal en plus. On va faire Boubon. Ah! Ah, bah, je suis pas sûr qu'il résiste. Non, sur mon fichier, tu peux le faire! Résiste! Non, c'est mon fichier! Oh, le goat! Oh, dommage. Ouais, bah, c'est le jeu, hein. Ouais. Oh non, pas sur mon fichier! Mais vas-y, mais t'abuses! Tiens, prends ça! Moi aussi, je sais le faire! Ah, c'est mon fichier qui meurt quoi, mais gros, je pensais pas qu'il allait faire l'attaque Z avec Otarlette. Oh, il allait être tellement fort sur mon fichier s'il avait pu évoluer. Bon, c'est pas grave. Ouais, là, ça devient dur. Hein. Ça devient dur. Voilà, c'est bon, ça tue sans trop de problème. Ah oui, il a pris tac le feu aussi en montant de niveau prévu.
Ouais, bah You, je pense que je le ferai évoluer pour le prochain épisode. Machine niveau 29, il va prendre piège de roc. Bah en vrai, piège de roc, ça peut être pas mal. Ah mais bon, le problème c'est que ça voudrait dire qu'il faudrait que je l'emmène toujours en premier. Et vu qu'il est assez fragile, maintenant c'est pas une bonne idée. Par contre, contre Raichu, Mushi, tu peux venir. Ok. En fait, après ce combat-là, il me semble qu'il va donner la Lugare aux élites. Kuba. Allez, vas-y. Non, ça tue. Hein. Ouais, voilà, c'est un Raichu. Hein. Raichu, ça a la défense d'une chips. Titic, niveau 20, 26, va prendre tranche. Non. C'est pas le moment. Sonistrel, bah, on peut rester avec lui. Ah, j'ai 5% mon fichier. Il allait tellement fort en plus. C'est ça le pire. Hein. Parce que pour l'instant, il venait sur quelques combats. Il venait sur les combats, genre, notamment les types O. Ah, c'est vrai qu'on a une grosse faiblesse au type O. Hein. On a une énorme faiblesse au type O. Hein. Là, ça va être chaud. Faut vraiment qu'on prenne un Pokémon qui résiste au type O. Ouais. Bah, si l'autre, il pouvait évoluer un Vibranymphe, ça pourrait servir. Allez, Tauros. Intimidation. Je pense que ça va pas servir à grand chose parce que je pense quand même que je vais te défoncer la tronche. Mais bon. Coup de corne. Ah quand même. Ah quand même. Je pense que je vais essayer de le pré-shoot. Je vais envoyer Mushi. Parce que je pense qu'il va faire coup de corne. Ensuite j'attaque into Kuba. Voilà, coup de corne, nickel. Parce que j'aurais. Ouais, j'ai fait mal à coup critique, ouais. Parce que j'aurais pas switché, il serait mort, hein, prévu, vu qu'il m'a baissé, vu qu'il m'a, j'ai baissé ma défense avec surpuissance. Ok, nickel. Et le dernier, je sais plus qui c'est. Niveau 30 pour Mushi, bien joué. Prévu niveau 33. Trapette niveau 27. C'est Pierrot, le dernier, bah je peux rester avec lui. Allez, tombe roche. Je pense que ça tue, hein. Voilà. Nickel. Bon, résultat, on a un mort. C'est pas grave, c'est pas grave. Dommage. On va quand même faire les zones, vous inquiétez pas. De toute façon, là, on a besoin. Voilà, merci pour la Lugare aux élites. Le problème c'est que la Lugare aux élites, je crois que ça fonctionne que avec l'attaque lame de roc. Donc vu qu'il l'a pas encore, Mushi, ça sert pas à grand chose. Bon. On va déposer sur mon fichier. Paix à son âme. T'aurais été un grand soldat. Notamment le combat contre le Froussardine dans le dernier épisode. Repose en paix. Ah là là, j'en ai marre, gros. Mais non, mais le pire, c'est que. Bon, ça, par contre, je pouvais pas prévoir. Je pouvais pas prévoir qu'il fasse l'attaque Z. En fait, je savais qu'il l'avait. D'ailleurs, il m'a soigné, Tini, en passage. Je savais qu'il l'avait. Mais je pensais pas qu'il allait la faire avec lui. Moi, je pensais qu'il allait la faire avec un autre Pokémon. En fait, ce que j'aurais dû faire, c'est me soigner. Oh non, mais. Ouais, c'est cool. Ah oui, non, on est obligé d'aller là-haut, mais. Oh, vous abusez, le jeu t'abuse. Ah, ça saoule. On a intérêt à avoir des Pokémon, là, ça va être chaud sinon. Ah, d'accord. Voilà, on fait la zone. Moi, je pense qu'il n'y aura qu'une éclosion dans cet épisode, hein, je suis pas sûr. Tétarte. Allez, là, faut vraiment qu'on trouve un bon Pokémon. En fait, ce qu'il nous faudrait, c'est un Pokémon qui résiste au type O.
Mais un bon Pokémon. En fait, il nous faudra un type plante. C'est ce qu'il nous faut. Ok. Par contre, il évolue. Enfin, il monte rapidement de niveau, c'est cool. Il va prendre protection. En vrai, ouais, c'est mieux que choc mental déjà. Protection, ça peut servir si jamais l'adversaire il va envoyer un Pokémon qui tape sur le physique. Ouais, bon, d'abord on va aller voir le professeur et ensuite on va aller. Voilà. Faut faire tout le tour, il est chiant, il dit. On peut pas utiliser de Pokémon tueur, ça c'est bien ça. Enfin, non, c'est pas bien, mais voilà. Attends, c'est pas là où on va affronter l'autre Gugus là? Guzma? Ah, le problème c'est que ma team est pas du tout prête contre lui. Ouais. Il faut vraiment qu'on ait un Pokémon extrêmement fort. Il faut vraiment une pépite. Ok, merci. Je t'attends à l'arrêt de bus. Ouais, bah moi, ouais. Allez. Allô là, voilà, merci d'être passé, Tulip. Merci pour ton utilité. L'utilité de Tilly est comparable à celle d'un. À celle d'une équerre, évidemment, parce que comparable à celle d'une équerre en France, en cours de français. Voilà, donc c'est pas très utile, en gros. Oh là là, là. Elle va me les soigner. Ouais, bon, par contre, j'avoue que la règle. La règle du centre Pokémon. Si par exemple dans un dialogue il me soigne les Pokémon, je peux rien y faire hein, là-dessus. C'est vraiment, j'ai pas le droit de me soigner au centre Pokémon entre deux combats, voilà. Sauf, bah voilà. Sans m'a même pas soigné. Bon, on s'en fout de la bibliothèque, on va d'abord faire la zone. Il y a une zone en bas, normalement on peut pas la faire. Ne me remerciez pas, bah non, j'avais pas l'intention de toute façon. En haut il y a une zone. Ouais, là il y a une zone. Ah, mais. Ah, t'abuses, toi. On peut au moins faire la zone à gauche. Oh, mais, hé hey. Non, mais. Bon, bah, dommage. Bon, on va faire une seule éclosion et on s'arrêtera là. Dommage. Ah, il faut vraiment qu'on choisisse un bon œuf, là. Il faut vraiment qu'on essaye de prédire un bon œuf, quoi. Vraiment, c'est. Ok, donc Tetart. Tu vas là, ok. Enfin, après, j'ai pas beaucoup de Pokémon qui résistent au type eau. Bah, j'ai des types eau, quoi. Et j'ai Brocéliande qui est type plante, et j'ai Cacnea aussi. En fait, il faudra un Pokémon qui peut contrer Sarmorail. Allez, on va prendre. On va prendre celui-là. Vas-y, on prend celui-là. Et on va prendre Pyronie aussi, du coup. Ah, faut vraiment qu'on ait un bon œuf. Ok. Bon. Je vous retrouve à tout de suite pour l'éclosion et puis à tout de suite. Ok, bon, celui-là, il a été un peu long. Oh, attends. Ça, c'est bien. C'est défensif. Ça, c'est bien. Voilà, ça, c'est un beau Pokémon. Ça, c'est un bon Pokémon. Bon, pas comme ça. Bon, c'est encore une femelle, évidemment, mais.
Oh, nickel! Noctuunor, c'est extrêmement défensif. C'est défensif de fou. Ça peut venir sur beaucoup d'attaques. En plus, c'est type spectre, donc voilà. On va l'appeler. Ah, c'est une meuf. On va l'appeler. Il faut un nom qui. Un nom de sauveur, un nom de victorieux. Genre, un nom de héros, quoi. On va l'appeler. C'est bon, je sais qu'on va l'appeler. Enfin non, en plus c'est badass le nom que je vais mettre. Non, c'est pas ça que je voulais mettre. Non, attends, non. Je vais réeffacer. Ok. Oh, c'est galère pour écrire. Ah, c'est bien, Noctuunor, en plus j'en ai jamais eu en aventure. C'est nickel en plus, ça c'est bien ça. Last Ghost. Quand ça, genre l'ennemi, c'est le dernier fantôme qu'il verra avant de mourir. Ah mais lui, je vais le prendre direct dans l'équipe. C'est même pas une question. Je vais le prendre direct. Je vais le monter en off avec un autre Pokémon aussi. Ouais. Bon. En vrai, ouais, attaque spé, c'est pas fou. Bon, après, niveau nature, de toute façon, on n'a jamais eu de la chance, mais bon, voilà. Ok. Et bah, ça, c'est parfait. On a vraiment eu un super œuf. Un superbe œuf. Je vais le monter en off. Et je vais monter aussi d'autres Pokémon. Je vais voir si je peux trouver un remplaçant pour Saumon Fichi. Bon, de toute façon, là, je les soigne, ouais, mais c'est la fin de l'épisode. Bon, voilà. Bon, ça, de toute façon, c'est la fin de l'épisode. Donc, si ça vous a plu, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. N'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne secondaire. C'est une chaîne de replay où je poste des replays sur des jeux et tout ça. Vous pouvez me suivre aussi sur Instagram, tout est en description. Merci d'avoir suivi cet épisode. Je vous dis à la prochaine. Ciao. Ok, donc, mais avant de partir, nous allons tirer la règle, évidemment. On n'oublie pas. Donc attention, on rappelle qu'il y a 19 règles, elles sont toutes en description, n'hésitez pas à aller voir si vous voulez. Règle numéro 14, il n'y a rien. Ok, bah, il n'y aura rien pour le prochain épisode. Enfin, il n'y a rien d'exceptionnel, pas de bonus, pas de malus. J'espère que l'épisode vous a plu, likez, partagez, commentez, abonnez-vous, ça fait plaisir. Et merci d'avoir suivi.